bonjour à toutes et tous, chers naufragés d'Internet. Aujourd'hui, on se retrouve pour le 33e épisode de notre Career Manager avec l'AS Nancy Lorraine en D3 anglaise. Nous sommes premiers du championnat et notre objectif, c'est de gagner les 3 prochains matchs pour être sûr d'être champion. On va faire souffler un petit peu Lei qui est fatiguée. On va mettre El Hanaoui et on va mettre Kropanez juste ici. Sinon, on est parti. Pour ce match, nous sommes à l'extérieur contre Walsall. C'est parti! Nous sommes à l'extérieur pour ce match de championnat. L'épisode d'avant, nous avions gagné la Papa John's Trophy. Nous avons plus de coupes à jouer. Nous avons juste le championnat. Nous sommes éliminés de la FA Cup et de toutes les autres coupes. Nous avons gagné la Papa John's Trophy et nous voulons gagner le championnat. Ce qui est vraiment possible. Et plus que possible même. Alors il faut se mettre dedans. Voilà, nickel. On la donne à Kropanez. Kropanez qui va être plus haut cette fois-ci. Oh, et la finition parfaite. Bravo Mezza. Magnifique cette petite finition. La passe de Kropanez qui fait toute la différence. Le beau, le bel appel. Et il arrive à la contrôler du pied. Et la reprise de volée, ça montre toute sa technique. J'adore Robinet, mais Robinet n'aurait pas été capable de faire ça. Et puis lui, le gardien, le stupido, là, il baisse sa main. Le bras allait l'arrêter, mais il a baissé sa main, l'abruti. On mène déjà 1-0. Ça fait plaisir. Pourquoi est-ce que je peux pas avancer? Quoi? Mais ça, je sais pas. Je sais pas comment on peut rater ça, mais c'est arrivé. Il a raté ça. Dommage. La volée qui est complètement ratée. La reprise de volée à la Defonseca. Qu'est-ce qu'il nous fait, lui? Il nous fait du breakdance. Du breakdance, du breakdance. Et il break, et il dance, et il fait du breakdance. Mais frère, arrête! Bien joué, mon sourzi. Vous voyez, il faut absolument foncer dans le joueur. C'est la meilleure façon d'arrêter la balle. Ça, c'est pour mon sourzi. Bah, oh là, oh là, oh là. Ça, c'est la merde. Ça, c'est la merdouille. Arrête. Mais non. Oh! J'ai eu trop de chance. Là, je suis en train de prendre le bouillon, mes chers naufragés d'Internet. Soit ils vont égaliser, soit je vais mettre un but en contre-attaque. Mais arrête. Et vraiment, je l'avais la balle. C'est très bien joué. Bravo à vous, c'est mérité parce que je me fais trucider là depuis plusieurs minutes. Par contre, Brooksy, au secours. Mi-temps 1-1, ils ont eu énormément d'occasions, dont un poteau. Ils ont très mal joué les 15 premières minutes, et puis ensuite, j'ai complètement disparu du radar. Ils ont marqué un but très très mérité. Mais il y a des choses à faire, surtout dans les espaces. Mais regardez, il n'y a personne. C'est quoi ce but? C'est trop facile des fois. Des fois, c'est vraiment trop facile. Il suffit de faire un tout droit, puis les défenseurs, ils font n'importe quoi. Voilà pourquoi je vais passer en ultime. Pour ce genre d'occasion, regardez, c'est du n'importe quoi. On fait une passe. Et regardez, mais les joueurs, ils font n'importe quoi. Et c'est pour ça, je vais vraiment jouer en ultime à partir de la saison prochaine. Bon, je vais souffrir, hein, parce que... Mais c'est pas possible de marquer des buts comme ça. Moi, je veux jouer au foot. Je veux combiner. Je veux pas faire des trucs à deux balles comme ça, complètement irréalistes. Où vous avez 17 défenseurs. Mais regardez. Bien. Mais donne là. Là, c'est à moi, c'est à moi. Voilà, ok, nickel. C'est plus possible de marquer ces buts là. Ça me donne des frissons tellement que les buts sont mauvais. Mais regardez, il y a personne. Ouf, c'est une touche. It's a touche. C'est incroyable. Incroyable d'être si nul.
que moi. Vraiment, ça me déprime. Ça me déprime parce que c'est tellement facile. C'est tellement facile, mais regardez, c'est tellement facile. Ils font un petit 1-2 dans la surface. Il y a une contre-attaque à exploiter maintenant. Y'a pas hors-jeu là ? Y'a pas hors-jeu, frérot ! Mais c'est pas possible de faire ça ! Bon, écoutez, ok. Vous voulez jouer ? On va jouer. On va se mettre en ultra-off. Oh, ça c'est la merde. Mais non ! Mais non ! J'avais bien fait, j'avais fait le geste qu'il fallait ! Mais arrête ! Mais non, ne la dégage pas ! Je reviens pas que je vais perdre contre cette équipe de brins là, sérieux. Mais qu'est-ce qu'il fait? Pourquoi il a fait ça? C'est la fin. C'est la fin des haricots. On a perdu. On a perdu 3-2. C'est la fin des haricots. C'est une défaite, mes chers naufragés d'internet. Dommage. Je suis dégoûté parce que j'aurais tellement mérité mieux. J'aurais mérité beaucoup mieux que ça. Ils ont eu beaucoup de chance. Et puis j'ai très mal joué en seconde période. La seconde période était clairement ratée. Donc on va jouer, mes chers naufragés d'internet. On va changer ce joueur et on va mettre Santos, mes chers naufragés d'internet. Santos qui est tout simplement un joueur du centre de formation. Il a 65 de général, il a que 16 ans. Et on va tout de suite jouer contre Accrington. On est parti avec cette équipe. On va tester Santos, un Brésilien. On est parti. Nous sommes au stade Marcel Picot pour ce match contre Accrington. L'objectif, c'est la victoire après notre déconvenue à Walsall. Voici mon petit Santos. Santos qui récupère son premier ballon pour sa première... Avec nous, et ce sera pas sa dernière. Allez, Lay, dommage. Bats-toi. Nail qui va jouer la Ligue des Champions avec Lens. J'espère qu'ils vont le faire jouer. Il mérite d'être bien. Ouais, non, dommage. Oh, je l'ai poussé, c'était gratis. Heureusement qu'il y a Sourzi. Non, Sourzi. Pas comme ça. Mais non, mon Sourzi, c'est quoi ça? Ça, tu dois l'arrêter, mon Sourzi. Par contre, Dembélé, tu dors ou... Bon, on va dire que c'est à cause de la pluie. Mais comment c'est possible de la... Mais va dessus. Mais non. Oh là là, on perd 2-0. Oh, c'est la catastrophe. Oh, c'est la catastrophe. Sur ce ballon en plus. Oh là 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 là. Bon, c'est une catastrophe, mes chers naufragés d'internet. Mais ce n'est pas la fin des temps. Vas-y, cherche. Va chercher Bonheur. Sauf que là, le Bonheur, il est parti. Bien joué, Santos. Ok, Lay. Frappe croisée. Voilà. C'était pas une frappe croisée, mais bravo. Allez, on revient dans la partie. Vamos. Par contre, ne célèbre pas en faisant les sticots, là. On est en train de perdre. Non. Tire plus fort, Cropanez. Dommage. Il y a hors-jeu ? Il n'y a pas hors-jeu. Magnifique. Magnifique. La remontada est lancée, mes chers naufragés d'internet. Allez, maintenant, il faut marquer le troisième. Vamos. Ok, à la limite du hors-jeu. J'ai vraiment cru qu'il était hors-jeu. Il prend la défense de court. Mon cher Mezza. Voilà, Alvarado qui récupère le ballon. Et il la met petit filet opposé. 2-2. Ok. C'était pas à lui que je voulais la donner. Cropanez, là-haut. Mais non, c'est quoi ça? Mais non, frérot, arrête.
On va s'en vouloir là. Y'a faute, frère. Mais d'où? Frappe croisée. Non. Mais arrête, il la garde. Mais il la garde. Non, non, c'est injuste. C'est trop injuste. C'est trop injuste, ça. C'est pas mérité. C'est leur seule occasion. Oh, c'est injuste. Oh, c'est très, très injuste. Vraiment, on méritait au moins le nul. C'est vraiment injuste. Mais pourquoi je suis si nul aujourd'hui? Mais non, n'importe quoi. Mais pousse-le, tue-le, mais non. Mais c'est pas possible, vraiment, là. C'est pas mérité de perdre. C'est pas mérité. Il y a le titre qui va s'éloigner de moi. Oh, mais laisse-la moi. Il va pas me le laisser. C'est vraiment injuste, mes chers enfants, j'ai d'internet, c'est injuste. C'est injuste de perdre. On peut pas se permettre de perdre deux matchs de suite. C'est... Oh, Ipswich Town a perdu. On s'en fout, mes chers naufragés d'internet. On s'en fout, on est toujours premier. On va avoir notre dernier match de la vidéo. On part avec le 11 type contre Morecambe à l'extérieur. C'est parti. Nous sommes à l'extérieur, mes chers naufragés d'internet. Et si nous gagnons ce match, nous sommes champions de EFL League One. On va évidemment tout donner. Parce que avec ces deux défaites, ça fait quand même tâche sur la saison. Et notre cher public mérite beaucoup mieux que ça. Ok. Il n'y a pas hors-jeu. Et le but. On fait un petit but. On offre sur un plateau d'argent le but à Kloppanese. Et voilà, nous pouvons entrevoir ce titre, mes chers naufragés d'internet, avec cette magnifique contre-attaque. Bien, nickel. Là, en bas. Il déboule et la frappe croisée. Et non, déjà, là, tu as encore raté. Comme d'habitude, tu rates tout le temps. Il est vraiment pas très fort, hein, Demilson. Il va vite, c'est tout ce qu'il fait. Arrête. Bien joué. Mais qu'est-ce qu'il fait? Ah, Demilson, il m'énerve aujourd'hui. Hein. Comment il fait pour rater ça? Là, il a fait une accélération d'Mbappé. Mais arrête. Il est incroyable, mon Sourzak. Hein. Mais qu'est-ce que je fais, moi aussi? Depuis que j'ai marqué... De toute façon, il y a toujours un regain d'énergie de la part de l'ordinateur. Bien joué, mon Kroppa. Oh, c'est pas mal, ça. Oh, non. Frappe, Kroppa. C'est pas Kroppa, c'est Lay. Elay qui marque. Pardon, je suis un petit peu dans les choux aujourd'hui. Et qui fait la célébration de Umtiti. Il l'aime bien, celle-là. Il la fait souvent. C'était compliqué. C'est compliqué de marquer. Mais bon, là, la défense qui est un petit peu apathique. Sur ce coup. Ils ont eu énormément d'occasions. Et ils n'ont pas su les convertir. Kroppa qui sauve encore le but. Kroppa qui fait une première période de folie. Allez, Brooksy. Va jusqu'au bout de tes rêves. Va jusqu'au bout de tes rêves, Brooksy. Va jusqu'au bout. Oh non! Par contre, je lui ai shooté dans la tête. Je lui ai shooté dans la tête, le pauvre. En vrai, le mec, il est décédé, là. En vrai, le mec, il est à l'hôpital. Désolé, mon frérot. Enfin, désolé. T'es en plastique, donc... Elle a mes gosses. J'aurais dû la donner. Et ça va au fond par miracle. Le but contre son camp. Le numéro 4 qui a voulu la sortir.
et qui a pas réussi, et Mezza qui est complètement en bug. Bon, ça va, tu vas pas non plus célébrer pendant 30 ans un but contre son camp, hein. C'est un petit peu pathétique. Là, j'aurais dû la donner à Alves, mais finalement, le 4 qui la met contre son camp. Caceres. Ah, mais c'est le joueur de la Juve qui va prendre sa retraite. Ah, bah c'est parfait de marquer un but contre ton camp pour ton dernier match. C'est fantastique. Comme ça, les supporters, ils se souviendront bien de toi, Caceres. Il était assez connu, hein, Caceres, à un moment donné. L'Uruguayen, il a même joué dans l'équipe uruguayenne avec Luis Suarez et Cavani. Il était en défense centrale avec Jiménez. Et avec Godin. Pourquoi il y va pas? C'est une bonne question, ça. Hein? Bon, le but, j'ai rien compris. Ils m'ont pris à revers. La passe était très belle. Voilà. Cette passe-là était vraiment belle. Et puis après, il a contrôlé, mais dans l'autre sens. Et ce qui a fait que Brooksy a été vraiment embarqué. Mes chers naufragés d'internet, je vais mettre l'option reculer. Parce que mon très bon ami King Tiger, big up à toi. Allez voir sa chaîne, il est génial, il fait des parodies. Et il fait aussi des vidéos gaming très très divertissantes. Il est vraiment génial. Et il m'a dit que j'avais beaucoup... En fin de match, je me découvrais beaucoup trop et que mon bloc était trop haut. Et il a raison parce qu'à chaque fois, je me prends beaucoup de buts en fin de match. Eh oui, il s'est réussi, il est passé. Mais frappe, Alves! Et je joue principalement en contre-attaque. Comment c'est possible qu'il soit pas hors jeu? Oh là 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 là! Oh là 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 là! Pourquoi j'ai plus de défense? Perché? Perché ma défense a disparu? Oh, beau, belle frappe. La frappe, elle est incroyable. La frappe, elle est incroyable. Incroyable, cette frappe. Il m'a mis une frappasse col Stockant. Aïe, aïe, aïe. The Shrimps. En plus, il s'appelle les crevettes, donc j'ai pas intérêt à perdre contre les crevettes. Je ne veux pas perdre contre les crevettes. Et c'est terminé, mes chers naufragés d'Internet. Nous sommes champions de EFL League One. Magnifique. Bon, c'était un épisode très moyen. On a failli de nouveau perdre des points sur ce match. Deux défaites et une victoire, c'est vraiment pas terrible. On s'est pris des valises aujourd'hui. Ça va être compliqué en ultime, je vous dis pas. Mais on va tout donner, mes chers naufragés d'Internet. On peut regarder le visage de mes chers joueurs qui vont soulever le trophée. Bon, je ne pense pas qu'ils vont soulever le trophée dans cet épisode, comme on n'est pas chez nous, voilà. On ne soulève pas le trophée. Mais nous sommes officiellement champions, ce qui est plutôt une bonne chose. 39% de possession. Et Ipswich Town, qui n'a même pas gagné. Ils sont vraiment en dégringolade. Pour le prochain épisode, mes chers naufragés d'Internet, comme nous sommes déjà champions, je jouerai en off les trois matchs restants. Et on commencera directement la saison en EFL Championship. Et on commencera en ultime. Si vraiment je me fais défoncer, je remettrai en légende. J'espère que tu as aimé cet épisode. Si c'est le cas, tu peux liker, commenter et t'abonner si tu veux suivre mes prochaines créations. On se retrouve mercredi d'ici là. Prenez soin de vous surtout. C'était Alivé pour vous servir.